Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le bulletin d'information nous pour aujourd'hui. Opération Zéro Tolérance avance à grands pas. Comme nous connaissons, ces derniers temps, cause kidnapping n'a vraiment avalé terrain. Eh bien, la police pas suspend mare garçon kou femme kou crabe qui impliqué dans zak sa yo. Pin journée jodi a même présenté bay population 17 individus qui impliqué dans zak kidnapping. Fòm di nou, jan de moun sa yo soti nan plizye baz, plizye gang et non seulement ça tout, yo soti nan kat coin peyi a. Entendez qui Jean porte-parole la police là t'a présenté yo et non seulement ça tout bay tout détail sou yo n'a tourné talé comme ça. Premier moment c'est une personne Benjamin de la gauche vers la droite n'a coin en bois 21 rivé jusqu'à monsieur Barreau Blanc. C'est lui premier moun yo. C'est Peterson Benjamin. Peterson Benjamin c'est yon la gang qui basé dans le village de Dieu. Base 5 secondes, c'est il y a des gens qui disent numéro 2, il y a des gens qui disent numéro 3, mais en tout cas, même là, en bas une 20 heures, que la presse a capable de voir. Après, il y a Jacques Merdelis, il y a Imel François, il y a Rose Nord Jean-Louis, Saint-Louis, pardon, 4 messieurs Sayo, ils ont joué l'arrestation le 21 novembre 2020 sur route 9 là. Infraction que vous reprochez, M. Sayo, c'est enlèvement, séquestration contre rançon, vol de véhicules, association des malfaiteurs, vol armé et complicité de meurtre. Et M. Sayo, tout est impliqué dans vol de véhicules et qui s'est propriété de l'État haïtien. Nous allons parler amplement sur ça pour nous capables de gagner plus de précision. Septième monde qui vient après quatre premiers messieurs. C'est Salomon, alors c'est Salner pour Lidor. Est-ce que Jessica Adrien est là? Oui, Jessica Adrien, Sonel Saint-Nourien, Schneider Kembel, monsieur qui a maillot blanc, Schneider Kembel. Monsieur Zayo a été interpellé le 2 novembre 2020 dans Delma 75, dans Fragnoville, pour enlèvement, séquestration, contre rançon. Et il était tout en possession d'armes illégales. Parce que nous connaissons le phénomène de kidnapping, c'est un phénomène toute la presse la connaît qui en pleure la plante. Et nous te prenons pour nous te parler de ça, mais je vous dis à moi que nous avons bon temps pour nous parler de ça. Et la majorité de qui l'ont, font tout le monde qui l'ont, c'est les gens qui sont impliqués dans la question de kidnapping, ça nous relève enlèvement, séquestration, suivi de rançon, nous maintenant relève kidnapping. Quatre derniers mounios, en partant de monsieur, trois derniers mounios. Et trois derniers mounios, c'est Fleury Smith Evans, Evanson, Saint-Just Miguelson et puis Denis Jonas. Faites-vous vivre pour nous, s'il vous plaît. Faites-vous vivre pour nous. Trois messieurs Sayo. Vous avez même chef d'accusation. C'est des messieurs qui ont un mandat d'amener derrière eux. Vous avez besoin de répondre à la question de la justice. Depuis son arrestation à Nel Joseph, vous avez un mandat de répondre à la question de la justice. Vous avez appartenu à la gang que Nel Joseph a dirigé dans le village de Dieu. Vous avez sauvé, vous avez arrivé Saint-Domingue. Connexion de la police dominicaine avec la police haïtienne fait à travers Interpol. Yo arrêté yo à Saint-Domingue et autorité haïtienne et dominicaine yo remettre yo sous frontière haïtienne dominicaine à des policiers haïtiens et maintenant y a gagné pour y aller répondre question la justice par rapport à chef d'accusation que yo gagne sous douille. D'accord, merci. Nous gagnons l'autre groupe, n'a pas présenté encore. Nous mettons le nous savoir les conseils. Merci pour ma question. Mais Krabine, vous avez dit que 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 v
Nous prenons la presse pour nous kidnapper. Et nous allons expliquer nous de façon plus large tout à l'heure. Monsieur qui n'a point, toujours bon côté de l'IA, avec Mario Bleuya, le Michel Nicolas. Et nous qui venons après là, c'est Ressilhomme Pierre, alias Asselhomme. Tout de suite après, nous avons Nathalie Augustin, Gessner Belfort. Gessner Belfort a fonctionné sous trois noms. On l'a relé Gessner Belfort, on l'a relé Rudy Pierre, on l'a relé Jude Félix. Je vais expliquer dans quel cas M. Sao était impliqué et dans le bloc l'église cyber sur route 9, côté où était enlevé un citoyen. Nous allons parler de tout ça tout à l'heure. Après, dernier cas enlèvement qui concernait deux mounouais dans l'extrême UA, c'est Bernard Etienne, alias Lédic, et comme ça, monsieur les têtes. Et puis nous avons Jonathan Sam Augustin, qui a été fait enlèvement le 30 octobre 2020. Sous la personne de Yol Derica Derisson. Voilà, c'est en tout 17 personnes que nous présentons à la presse. Nous allons expliquer dans quelles circonstances chaque groupe de monde, ou bien chaque groupe de monde, dans qui cas ont été impliqués. Voilà, nous devant le micro, la presse là, nous voyons. Et pour l'opinion publique là, capable d'informer du travail que la police fait par rapport à la situation qui a donné une société à nous parler de ça. 17 personnes, parmi eux deux femmes, impliquées dans l'enlèvement, séquestration suivi de rançon. On a parlé de kidnapping, fok, éléments réunis pour nous dire que c'est un acte de kidnapping. Et c'est tous les trois, alors tous les éléments ont complété l'autre. Ce n'est pas yon ou l'autre, faut yon complété l'autre, faut tout présent. D'abord, il y a enlèvement. Après enlèvement, il faut gagner séquestration et après il faut gagner demande de rançon. Trois éléments ça quand yo réuni, nous parler de enlèvement, ça nous même dans le langage commun à nous relé kidnapping. Nous sommes présentés nous quatre premières personnes yo, Peterson Benjamin, c'est Peter que certains monde disent numéro 2, numéro 3 qui est lié dans base 5 secondes qui est basé à village de Dieu. Jacquener Delciné Inel François, Rosenor, Saint-Louis. Monsieur Sayo, yo impliqué dans un vol de véhicule, yon pick-up non blanche, il était couleur blanche d'abord. Non, alors c'est un Toyota Hilux noir que Jacquener Delis lui-même, il peinturé en blanc. Pick-up ça, c'est propriété l'État haïtien, il appartenu au service ministère jeunesse et sport. Yo volé li en date du 25 février 2020 à Delma 18 nan men yon employé ministère ça. Yo prend plaque machine ça. Jacquener Delis prend plaque machine ça. Li metel sous yon l'autre machine alors que l'autre machine ça était impliqué nan yon kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020 et la police nan grisier tapral récupérer véhicule ça et libérer Mounio suite à traquage à alerte que machine ça te gagne de elle donc il est arrivé libérer 4 moun sa yo. Nous présentons nous tout Salner Polidor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Morin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75,
Infraction reprochée, c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession yo yon pistolet numéro séril c'est 010188. Yo te joine zam sa nan men Salner Polydor. Commissariat Delma bien sûr, c'est lui même qui t'a saisi en tout premier lieu des dossiers ça et puisque DCPJ c'est lui même qui gen compétence pour approfondir enquête yo donc yo te acheminer dossier ça yo à la DCPJ. Te gen tout nan bloc route 9 tout près l'église Cyber pour moun ki konnen zone nan monsieur Sayo yo Michel Nicolas Ressilom Pierre alias Asselom Nathalie Augustin et l'autre femme qui impliqué dans question kidnapping nan tout Gessner Belfort tantôt c'est Gessner tantôt c'est Rudy Pierre tantôt c'est Jude Félix yo té enlevé Jocelyn Estiven un citoyen de 43 ans et Yo libéré le même jour suite à intervention la police et dans sous-commissariat du Vivier à un check de routine que la police t'est senti malaise là gain inconfort et inconfort victime nan en dans machine nan yo t'est posé question et yo t'est senti malaise là yo t'est rivé interpeller monsieur Sayo donc voilà monsieur dame Sayo pardon voilà et y a répondre question la justice. En date du 30 octobre 2020, yo té enlevé tout yol Derica Derisson. Yo libéré le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça yo, mais on gen un dossier qui gon aspect particulier, m'té souhaité font ti pencher sou li. C'est côté moi souhaité attirer attention les parents, mères et pères de famille sur un aspect tout particulier ce qu'on appelle le contrôle parental surtout moun ki gen jeune fille jeune adolescent fille yo à partir de 14 15 16 17 jusqu'à ce que yo vin majeur pour nous garder qui moun yo fréquenter qui côté yo aller qui ça yo fait à qui moun y apprend pas m'pa pral rappeler ça qui t'est passé déjà nous tout nous connaît li nan mémoire nous tout là mais nous gon situation presque similaire. Heureusement, la police arrive là-dedans à temps et le pire pas arrivé. 23 novembre. Moi parler de dossier ça dans la presse déjà, pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligé me balle non, sans parce que pour parents yo capable suffisamment connaît pour connaît qui ça pour gain adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police dans DCPJ recevoir plainte dit yo kidnappé dans Croix des Bouquets sur route li de la Tremblay à Croix des Bouquets li pral l'école la police recevoir plainte dit yo kidnappé la police travaille sur li la police intervenue de Croix des Bouquets étant la police gain information dit c'est Gantier yo kembel la police intervenue li libéré Berlinia Musial sans rançon $50,000 américains que ravisseur prétendu yo demandé yo libéré mais la police pas arrêté là enquête là la continuer par la suite la police pral comprendre c'est pas un kidnapping mais c'était un arrangement côté. La police t'est déjà arrêté Jolando Pavelus qui se ménage Berlinia Musial et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille zami Jolando Pavelus qui se Fenelson Milfort et yo te gantan rele parents demoiselle là bay pression et parents demoiselle là te gantan déposer sur un compte 15,000 goudes. Donc à comprendre, une famille qui pas gain moyen pour mander $50,000 et il gain petite fille nan men, il dégager pour joindre 15,000 goudes, il déposer nous compte histoire 15,000 goudes ça yo déjà à travers des cas qui traité déjà passé dans pays déjà, nous pas parler plus sous li. Mais ça qui plus important,
c'est comment des bandits capables de river prendre petit tout la caillou dans foyer pour le monter tête li pour la bay maman à papa pression pour bay des bandits cob faire des arrangements avec bandi pour bay ou cob sous prétexte que yo kidnappé. Ça est très important. Moi pas passer sous silence même si plusieurs journalistes relé m'ont dit ça, même pas de parler de ça. C'est hier soir côté dans fouille côté délégué départemental ouest là de là et dans angle des rue Rigaud et Lambert dans cadre d'une fouille de routine dans un bus de transport trois bandits Pierre Norgues, Saint-Just Mickey, Peterson Jules dans un bus qui fait transport en commun nèg yo te gagné deux armes en possession yo un pistolet 9 mm numéro de série TF X44-867 et yon l'autre revolver SR-3838/357 de numéro de série T-1102-131-00-431. Yes, m'espère que nous te comprenne et nous te bien tendez qui Jean Moun sa yo te arrivé fait zak sa yo. Encore l'autre fois, mesdames et messieurs, m'a dit nous prend plus précaution parce que te a piégé. Donc, ou pas qu'on qui est qui bon moun, à qui est qui mauvais moun. Dans langue créole là, nous te capable dire les maringouins a volé, nous pas qu'on mal, nous pas qu'on femelle. De toute façon, toujours prend précaution. M'a fait ou koné dossier assassinat Evelyne Saint-Cyr là, pas fini là. Jodi a même, Obed, Michel, Eval ak ménage li ki se Wislen, ki te abdormi avèl jou opération la police la, te présenté nan paquet Port-au-Prince pour répondre question sou assassinat yo te fait sou Evelyne Saint-Cyr là. Pendant audition, tout messye yo kebe même diskou yo te genye de CPJ ya. Sauf Obed qui déclarait c'est tellement yo bat li en dedans bal gros pression qui fait li te résiel li dit c'est lui même qui touye demoiselle là et pourtant c'est pat li li te tellement triste glot te manqué sorti dans gel pendant moment audition n'a fait ou connaît tous les trois nèg yo te gen coton dans oreille yo pendant moment audition nan maj audience là. Geyou nan commissaire yo ki te présenté yo te découvri et puis révélé Michel ak Belsel Wislen gen gros dossier sou do yo à cause yo tap kale tête yo mexicain ke yo te manje plus que $3,000 américains pou li. Nan époque ça, selon information mwen disposé, Wislen fin couché avec mexicain après yo rencontré nan yon bar et puis li fè mesye a konnen ke li enceinte el se yon mine. À partir de là, li te commencé fè mexicain gros chantage nan élément qui révélé yo pendant séance là, Wislen même prend juge de paix Alkay étranger a broté bagay madame li te gen nan kay la sous prétexte monsieur Abizil pendant Evald ak Michel bon côté pa yo tap assiré Ariel kounye a sa pral balancer tout bagay c'est le vinman de monsieur a yo montant de 2 millions goud automatiquement monsieur dit le pap ka kembe bagay sa pou kont li et puis tout li pap gen comme ça li te obligé mette madame ni au courant parce que monsieur dame yo di s'il pa bay comme là yo a kidnapel. Eh bien madame mexicain te prend disposition pour te plainte nan tribunal après trois invitations yo te fait Wislen ak Michel yo pa jam vini après en pile rondo mon nan téléphone tout yo décidé al paquet mais peut-être manque de preuves juge la pa tout mette la patte sou yo. Ça que monsieur regrette, selon ça li déclaré en présence accusé aujourd'hui, s'il te kembe yo Evelyne Saint-Cyr pas tap mouri. Nan moment ça, Michel pral changer complètement dans salle là et puis la répliquer à gros ton ak commissaire parce que d'après ça dit, yo pas konn bagay comme ça. Alors que c'est commissaire li sonje visage yo bien parce que c'est lui même qui te traité dossier.
En passant, c'est celle Wislaine qui t'est marché avec avocat dans séance là. Bref, ça passé. Eval continue prendre défense demoiselle là dans quatre dossiers Evelyne Sincère. Demoiselle là tout dit li pas qu'on en rien dans dossier ça. Trois messieurs continue dit c'est dans droum yo te poté koa al jeté. DCPJ bon côté parle pas jeune aucune trace. Dossier Evelyne Sincère là femme dit nous yo joine li dans téléphone Wislaine. Mais ça pas empêché yo voye li nan prison civile femme nan akaye et puis trois messieurs yo al pénitencié en attendant yon juge instruction saisie des dossiers. A noter messieurs yo pa ko jam dénoncer pièce l'autre moun qui t'a impliqué dans zak si la malgré insistance juge yo ak kek agent DCPJ qui t'est dans séance là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est là nous mettez yon bout avec journal nous pour jodia. Merci parce que t'as suivi avec attention et encore une autre fois m'a dit ou toujours prend précaution pour sauver la vie famille ou protéger moun ki nan communauté ou parce que d'ailleurs à piégé. Pas oublier avant quitter channel ça, abonner, like et puis quitter commenter pa ou là. Bonjour bonsoir tout moun, non pas m'se Foucault, n'ap croisé dans une autre vidéo. Bye bye.